Je me suis mis en musette alors, vrai, vrai. Va donner quoi, dit? Coucou, ma puce. Là, je suis en direct. Mais je veux te dire que si tu ne dors pas, si tu travailles demain, je suis en direct. Si tu me donnes une heure, je te rappelle parce que je dois laver quelqu'un. Je dois laver un énergumène. Je n'aime pas qu'on touche à ma soeur. Donc, si tu ne dors pas, je te rappelle. Bipper les voisins, je veux laver, je veux nettoyer un bagagiste de l'aéroport de Charles de Gaulle, un Camerounais, un Gaïton. Bipez-moi les voisins, je veux le laver, je veux le nettoyer. Comme vous êtes que. On vous respecte, vous n'aimez pas qu'on vous respecte. Vous qui me regardez et vous qui aimez le Congo, ça, s'il n'est pas en ligne, bipez-le, dites-lui que Valérie va parler de toi parce que je ne parle pas encore. Dites-lui que Valérie va parler de toi. Viens écouter. N'allez pas lui répéter après qu'elle a dit, après vous ajoutez le mensonge. Donc, je vous donne le temps de le biffer. On en a marre. C'est pour cela que j'aime moi-même. C'est pour cela que je suis qu'un. Quand un homme veut me manquer le respect, je le lave correctement, je lui mets à sa place. Vous allez me juger, mais c'est parfois la meilleure façon. Bébé, va alors me prendre le taco, s'il te plaît. La salade que j'ai mangée, là, ça ne m'a rien fait. Va me prendre le taco. Bipez les voisins et écrivez pour que je puisse vous lire. Je suis allée me mettre en tenue sexy. Est-ce que j'ai peur de vous? Dès que vous êtes vent, je commence. Bipez-moi, le gars est un bagagiste. À l'aéroport de Charles de Gaulle, bipez-le moi ici. Harmonie, bonsoir, comment tu vas? Ma petite Harmonie, ça va? Bipez-moi le gars étonne là, s'il vous plaît, faites vite. Je ne rigole pas avec vous. Faites vite. Je ne vous montre pas le bas de mon habit. C'est trop sexy. C'est pour papy. Papy, merci pour cette belle tenue que tu m'as achetée, hein.
Merci, papy. Papy m'a acheté ça en ligne. Bon. Les hostilités vont commencer. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le ménage. Papy non plus. Papy, tu vas boire un verre? Bon, bipez-moi. Bipez-moi. DJK. Bipez-moi DJK. Quand il est là, dites qu'il est là. Bonsoir Sandrine Atana. Bonsoir Madame Atana. Bipez-moi DJK. Je vais un peu faire sa pub ce soir. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous aimez le Congo ça. Appelez-le, dites-lui que Valérie te bip. Parce que je connais comment ça se passe sur Facebook. Ne l'appelez pas après le direct pour dire que Valérie Amouga dit et pour ajouter. Laissez lui-même, il vient écouter. Parce que moi, je connais les réseaux sociaux et les gens qui ajoutent, et les gens qui difforment, et les gens qui déforment, et les gens qui racontent, qui mentent. Bipé lui-même, il vient écouter. On attend, dès que vous êtes 20, je commence. Dès que vous êtes 20. Dès que vous êtes 20. Comment va Brenda? Vous aviez les nouvelles de sa déception sexuelle. Elle va bien. Papy, s'il te plaît, ouvre-moi le champagne là. S'il te plaît. Vous aviez les nouvelles de Brenda. Moi, je commande les hommes. Papy, fais comme je veux. Ouvre. Allez. Je commande les hommes. Moi, je commande les hommes. Fais avec bruit, avec bruit. Avec bruit. Je veux avec douleur, papy. J'aime trop ma perruque, si. Elle est trop bouffée. Merci, mon amour. Serre-moi, s'il te plaît. Tu ne bois rien. Ok. C'est gentil. Merci, mon bébé. Logan ne peut qu'être gentil parce qu'il sait qu'il va bouffer la chatte. Il aime bouffer la chatte et il aime faire l'amour. Donc, il connaît. Papy sait que s'il est gentil, je lui donne tout en gros. Vous comprenez? C'est papy qui m'a acheté ça. Une nuisette, c'est joli, hein? C'est ma première fois de porter ça. Et quand j'ai porté ça, il est venu, il était couché. Mais Jean, vous voyez comment séduit les hommes. Quand j'ai porté ça, il était déjà couché, faisait semblant de dormir. Je suis allé porter ça à la chambre. Quand il m'a vu porter, il s'est levé seul, il est venu s'asseoir au salon.
Il fait genre comme s'il regardait la télé. Je jure qu'il ne regardait pas la télé. C'est moi que papy regarde. C'est moi que papy regarde. C'est moi que papy regarde. Les filles, je vous donne encore une astuce. Quand vous portez des habits et que vous voulez encore relever la poitrine, vous faites ça. Vous voyez, non? Quand vous portez un habit qui est ouvert ou vous voulez relever la poitrine, vous faites ça. Vous voyez, non? Vous aviez vu l'astuce. Voilà. Quand vous voulez relever, vous voulez relever les choses. C'est Dieu qui donne. Attendez, je veux changer. Ça vient ici. Papy, tu regardes quoi? Voilà. Vous voyez, non? C'est en même temps quand tu es en boîte de nuit, même si tu transpires, ça ne va pas sentir. Parce que les seins, ça transpire aussi. C'est comme les entrejambes. C'est comme les aisselles. Vous êtes déjà à 20 ans. Joachim Kedé, je veux m'adresser à toi. Tu sais, je ne me mêle pas les histoires de pénétration vaginale et de pénis. Je ne me mêle pas. Ça vous regarde entre ma soeur et toi. Votre rapport sexuel ne me regarde pas. Tu sais ce qui me regarde? C'est le mal que tu fais à cette fille qui me regarde. Et ça fait depuis 4 ans, bientôt 5 ans, que tu lui fais du mal. Elle est d'abord tombée enceinte de toi. Et je vais te dire quelque chose, je suis une sorcière. J'ai quelque chose que Dieu m'a donné. Que même dans mes relations, quand je vois, je regarde et je vois la vérité. Tu te souviens à l'époque, Joachim Kedé, c'était un dimanche. Je cherchais ma sœur. Je cherchais ma sœur. Elle était portée disparue pendant un week-end. Je l'appelle. Elle décroche. Je dis, ange, tu es où? Je te cherche. Même les enfants te cherchent. On te cherche. Tu es où? Elle me dit qu'elle est avec son chéri. Je lui ai dit, passe-moi le chéri, tu te souviens? Elle m'a passé le téléphone, j'ai parlé avec toi. Je t'ai demandé que tu es un gars doux. Tu m'as dit que tu étais un Bamileke. Après, on n'a pas causé. Après, j'ai dit à Ange que enlève le volume, s'il y a le volume. J'ai dit à Ange que tu étais un mauvais garçon. Je ne t'avais pas encore vu, je ne te connaissais pas. Qu'est-ce que Joachim? Je ne t'avais pas encore vu, je ne te connaissais pas. J'ai dit à Ange que quitte ce garçon, il va te faire souffrir. Je le jure, sur la tombe de mon père. Ange viendra vous répéter ça si jamais elle aura le courage de faire le direct. J'ai dit à Ange que ce garçon, moi-même j'en connais des mauvais garçons, mais il est pire que les miens que j'ai connus. Mais comme le cœur a ses raisons et que la raison même ignore. Et voilà que dans mes multiples mapanes, parce que moi, je suis une mapaniste et j'assume.
et que toi-même tu me crées de tous les noms, j'assume. Des noms que toi tu me crées et que ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu ça dans mes oreilles, venant de ta bouche, que tu dis que j'accepte et j'assume. Si vous croyez que vos dits là, on a peur d'assumer ça, j'assume. Joachim, tu sais pourquoi, avec mon blanc, mon père si que tu connais le coup là, il a la calvétie, tu l'as bien vu, à l'hôtel. C'est toi qui as attiré mon attention. Quand tu es sorti du premier étage en me regardant et en chuchotant avec la fille qui était derrière toi, c'est toi qui attire mon attention. J'ai dit, ok, c'est pourquoi ce monsieur-là, pourquoi ce Sénégalais ou là ou Malien me regarde comme ça? Ça après que quand tu arrives au premier étage, je constate que c'est toi. Et je vois que tu es avec une femme. J'appelle Ange. Depuis que je suis née dans ma vie, je ne me suis jamais mêlée des histoires de sang à le son des gens, mais c'était ma première fois de le faire. Ange était enceinte. Enceinte de 6 mois, ou 3 mois, ou 4 mois, je ne sais plus. Si elle était enceinte. Mais tu mentais à cette femme, à Ange, que tu n'es plus avec cette dernière, que tu venais d'ailleurs dénigrer chez Ange, violemment, parce que tu parles plus qu'une pie. Et Ange savait que tu n'es plus avec. C'est là que moi, quand je te vois à l'hôtel, j'appelle Ange. Je dis que tu es à quel niveau? Elle était en 15 minutes de l'hôtel là où je suis allée m'binder avec le vieux. Parce que le vieux, à l'époque, il est là, il était encore marié, il y a 4 ans. Papy était encore marié avec sa vieille. Il n'était pas encore en naissance. J'ai connu papy, il était encore marié. Là, il est célibataire. Et il m'appartient. Le cou blanc que tu connais là, c'est avec lui que je suis. Papy, je dis à papy que démarre la voiture, on va chercher ma soeur. Quand papy veut broncher, j'ai bombardé la gifle à papy. Il a pris les clés, nous sommes venus chercher Ange. Nous sommes venus à l'hôtel. Je lui ai donc dit que le mensonge que ce gars te dit qu'il n'est plus avec la fille est à la chambre 22, va toquer. Et quand on venait toquer à la chambre, ce n'était pas pour faire les problèmes avec la fille. C'était pour mettre les points sur les i parce que toi, tu mentais à la fille et tu mentais à ma soeur. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé à la fille d'appeler la police. D'ailleurs, c'est à cause de ça, je t'ai dit, on m'a interdit l'hôtel là. On m'a donné mise à pied, mise à jour de l'hôtel là. Parce que ma sœur a foutu du bordel toute la nuit à l'hôtel. On m'a interdit. On m'a demandé de partir à l'hôtel là le matin, alors que mon type avait payé pour beaucoup de jours. Nous sommes partis. Mais avant de partir, chose que toi-même tu sais, bam bam, on t'a coincé, ma soeur t'a coincé. Et il y a eu bagarre. Tu faisais comme si tu étais toi, que des Joachim. Repentis-toi. Parce que on m'a dit que tu as les soeurs, tu as une famille. Mais pourquoi tu es si mauvais? Pourquoi tu es si méchant? Pourquoi tu es comme ça? DJ K. Donc, comme moi, Amougou, la fille de ma tête, je fais mon direct là, à l'instant là. Tu as déjà envoyé les gens au Cameroun appeler pour dire que Ange dissimule. Comment on dit bébé? Dissimule. Dissimule. D'accord, dissimule. Simule, voilà. Que Ange simule. Qu'elle est malade parce qu'elle veut te récupérer. Tu dis que Ange simule qu'elle est malade parce qu'elle veut te récupérer. Joachim Kédé, je vais te dire quelque chose. Assieds-toi. Je ne t'insulte pas, je ne te manque pas le respect.
tu es le cauchemar de ange. Tu es le, c'est-à-dire que tu es le regret total de ange divine amoureuse. Tu es son pire cauchemar, que quand elle dort, elle se réveille comme ça, elle dit que merde, qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle regrette de t'avoir connu. Je lui ai dit, au nom de Dieu, que tout ce que je veux que Dieu ne me donne pas, que tout ce que mon fils va se marier, que Dieu fasse en sorte que mon fils ne se marie pas, qu'il ne trouve pas l'argent pour doter sa femme. Mon fils et mes enfants se portent bien, que Dieu ne leur donne pas la santé si je mens. J'ai supplié ange et je lui ai dit de ne pas te dire des méchancetés parce qu'elle a versé le sang qui est ton sang. C'est-à-dire, elle t'a fait deux enfants. Il y a une qui est au cimetière, il y a une qui est vivante. Qu'est-ce que tu fais? Tu racontes à tout le monde. Il faut l'ADN. Tu racontes qu'il faut l'ADN. Quand on s'est vu au Nobel, je suis venu te montrer que voilà l'ADN que tu demandes. Les gens qui connaissent que des Joachim, dites-lui que viens chercher ton enfant dans la famille des amoureux. C'est la photocopie de que de l'air, comme vous le voyez. Excusez-moi, je ne veux pas manquer le respect à ma nièce. Ma nièce a photo, elle a photographié son père avec les mecs, comme vous le voyez, avec son nez qui est toujours dur, le visage laid. Que des Joachim vient chercher ta fille, elle est laide comme toi. Ange, là, de là où tu es sur le lit de maladie, excuse-moi. Quand tu viendras écouter cette vidéo, pardonne-moi. Le gars là te manque trop le respect. Il t'a déjà trop manqué le respect. Maintenant, qu'elle accuse que Ange simule la maladie, tiens-toi bien et assieds-toi confortablement. Ange regrette de t'avoir connu. Au cas où tu ne sais pas, c'est moi qui l'ai dit tous les jours, ou quand on ne cause pas tous les jours parce qu'on n'a même pas trop ton temps. Tu vas vivre, c'est comme si les femmes la parlaient de moi tous les jours. C'est moi qui lui dit que non, ne maudit pas ce garçon. Parce que si elle te maudit, ça va marcher. Parce qu'il y a un enfant qui est couché à la tombe et que tu es incapable d'aller faire la pierre tombale. Dites à que des Joachim Jijeka d'aller faire la tombe de sa fille à Nancy qui est morte depuis 3 ans. Nous allons donc revenir aux vérités. La fille est morte. Que des Joachim prétendent de pas aimer ma soeur. À la première grossesse, il a prétendu de pas aimer Ange. À la naissance de l'enfant, l'enfant est né à 23h quelques minutes moins. Elle est née et elle est morte. Dieu n'a pas permis qu'elle vive parce que cet enfant a vu la méchanceté de son père étant dans le ventre. Que des Joachim a fait souffrir ma soeur étant enceinte. Et l'enfant est né avec la colère. J'ai dit à ma soeur que l'enfant né meurt, l'enfant là est fâché. Il faut que vous fassiez attention. Comme elle parle, elle est très en colère. Je ne suis pas venue à l'enterrement à cause de toi, que des, parce qu'elle ne voulait pas te croiser. Excuse-moi, j'ai dit ça à ma soeur, qu'elle m'excuse. Je ne viens pas parce que je ne voulais pas te voir. Je ne voulais pas voir le visage de monstre que tu es. C'est toi qui dis que tu n'aimes pas la femme. À peine l'enfant, on finit d'enterrer l'enfant, tu parles encore binda une chatte que tu n'aimes pas. Une chatte que tu dénigres. Une chatte que tu sabotes. Tu es parti encore piner cette chatte. Que tu lèches. Que tu pines, tu jouis, tu mouilles. Une autre fille est ancrée, elle est là, elle est vivante. Et qu'est-ce que tu racontes? Il faut l'ADN, tu n'as rien dans la tête. Il n'y a que tes couilles seules qui sont pleines. Et ça produit. Ça produit les enfants. Respecte ton sang. On ne te demande rien.
va faire la pierre tombale. Laisse ange tranquille, ne sabote plus ange, que je m'adresse à toi. Et je te préviens, tu connais ce qu'on appelle la racaille de France. Tu connais la racaille? J'ai la marmaille de racaille. Tu touches à mon cheveu, je te dérange pendant un mois avec la racaille. Ils t'attendent juste devant ta porte. Ils finissent avec toi. Si je le veux, alors je te dis juste une chose. Ce n'est pas une menace. Ferme ta gueule. Arrête de saboter Ange pour rien, ne te doit rien. Ange n'a pas dissimulé ou simulé la maladie. Elle n'a pas fait exprès. C'est moi qui s'est permise de parler de son état de santé. Elle n'est même pas au courant. Donc, toi et ta bande, arrête d'envoyer le message au Cameroun pour dire que Ange fait semblant pour te récupérer. Si tu savais que Ange regrette de t'avoir connu, ce n'est pas ce que j'avais dit que je regrette de t'avoir connu. Elle regrette vrai de t'avoir connu. Tu es merde pour elle. Tu es un déchet pour elle. D'accord? Un peu de respect à cette fille, cette grande fille au grand cœur. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Oh, comment elle n'avait pas de papier, comment elle était, comment elle mentait, comment elle ment trop. Tu la connais même, tu ne connais pas Ange. Parce que vous, les Camerounais, quand vous montez sur nous et qu'on joue en mouille, après vous dites que vous nous connaissez, tu ne connais pas Ange. Tu ne connais même pas la fille avec qui tu as fait l'enfant, Kené Joachim. Tu ne la connais pas. Parce que si tu connaissais Ange divine amoureuse, tu n'allais pas sortir les énormités à son nom. Non, tu n'allais pas. Tu allais te taire, même sans l'aimer. L'amour n'est pas forcé. Et pourquoi tu partais piner? Piner, 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 encore piner. Tu as piné combien de fois? Hein? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté quand Poupie est mort? Quand Poupie est mort? Tu ne t'es pas arrêté pourquoi? Pourquoi tu es allé repiner Ange? Et tu racontes partout que tu ne l'aimes pas. Et tu racontes qu'elle dissimule la maladie parce qu'elle veut te récupérer. Mais tu es dans ses dernières pensées. C'est moi qui dis tous les jours à Ange de ne pas te maudire. Sinon, ça risque de tomber sur toi. Attention, les hommes. Si une femme a fait les enfants avec toi, évite que cette femme médite sur toi. Car ça peut retomber sur toi. Et même si une femme très croyante te maudit après avoir couché avec toi et que tu lui fasses du mal, ça peut tomber sur toi, ça peut marcher. Donc faites attention quand une femme te dit que ne fais pas que je dise des méchancetés et que ça marche sur toi. Ne dis jamais que tu n'es pas ma mère, tu ne peux pas me maudire. Parce que vous ne connaissez pas la connexion divine quand vous ne pénétrer dans la pénétration, la connexion qu'il y a dans la chatte de la femme et le pénis de l'homme. Vous ne connaissez pas cette connexion. Elle est divine. Alors vous devez faire attention. Que de Joachim, laisse Ange tranquille. Laisse-la en tranquille. Ange ne te veut plus. Laisse-la en paix. Je ne me mêle pas de vos pines. Ça ne me regarde pas, mais je te dis, arrête de la saboter. Tu l'as déjà fait trop du mal. Avec les ondes, dit, tout le temps, on a le retour. Tes amis avec qui tu marches même, il y en a que tu es assis quelque part comme ça. On nous appelle, on écoute. Papi, tu veux qu'on aille se coucher? Ok. Ok. C'est bon. Ok. Tu me dis, hein? Ok. Je suis toujours avec le coup papy, avec la calvétie que tu connais. Que tu nous avais vu à l'hôtel. Et tu as dit que c'était mon client. Comme si toi et moi, on fait souvent la bordelerie ensemble. Vous, les Camerounais, avez les accusations de bordelerie aux gens. Dieu écrit tout. Tu as dit, j'ai vu Valérie à l'hôtel avec. Papy, c'est ça. Tu te souviens, celui qui séparait la bagarre samedi matin, à côté de l'hôtel. C'est lui.
acheter le tacos, s'il te plaît. Vas-y. Habille-toi. Ah, il est 22, 23h, ok. Tu pars à 15. Mais après, ils vont fermer. Vas-y, puisque tu dis que tu t'ennuies. Papy, pourquoi j'ai la chaleur entre les jambes? Hein? Non, j'ai la chaleur, ça transpire. Hein? Papy dit que... Linares est-elle, fils de pute ta mère? Le gros cul de ta mère. Imbécile. Regarde-moi ça. Fils de pute. Le cul de ta mère. Ta mère, tu crois que ta mère est mieux que moi? Tu as un enfant sélectionné qu'on a couché, qu'on a couché sa mère derrière les champs, derrière les maisons pour qu'il naisse. Tu viens donner des leçons à qui? Imbécile. Si je veux, je me mets nu. Si je veux, je m'habille. Ton problème est à quel niveau? Regarde-moi ça. Linares Eiffel. Le cul de ta mère. Regarde-moi la tête. On dirait un mangeur d'homme. Regarde comme il est laid. Regarde-moi ça. Il a la bouche, le genre d'homme que ça pue quand il parle. Même les mouches du fond, il meurt. Non, ne rigole pas, papy. Les Camerounais sont très mal élevés. Regarde-moi ça. Il a mis quoi sur les yeux? Regarde-moi une poubelle comme ça. Même les hommes qui sont avec vous sont courageux. Tu peux sortir avec mon acabit de femme. Imbécile. Tu peux sortir avec mon acabit de femme. Ta femme peut être belle comme moi. Hein? Tu crois que tous les hommes avec qui je sors là, quand ils partent, ils me sabotent comme le connard que des Joachim sabote ma soeur, c'est pourquoi? Parce qu'on a de la valeur. Je suis une femme qui a de la valeur. Je suis sûre que des Joachim aiment encore ma soeur. Que des, si tu aimes Ange, viens demander pardon à Ange que je veux qu'on reprenne. Arrête de saboter Ange. Imbécile que tu sois, Linares, connard. Tu as vu que j'ai insulté que des. Non, c'est mon beau-frère. Je ne l'insulte pas. C'est le père de mes enfants. Mais toi, je t'insulte, me bime nouillant les lasses de ta mère. En réalité, que je t'apprécie beaucoup, mais tu m'énerves. Tu n'es même pas mon ennemi. Si quelqu'un peut me donner même ton numéro, je veux t'appeler l'envo et je veux voir ce que tu vas me faire, imbécile. Que tu dis que Ange s'indimule ou dissimule ou simulcile. Bébé, papy, il a dit quoi? Simulcile. Dissimule. Simule. Pardon, simule. Elle ne se moule pas. Ange simule. Regarde-moi ça. La tête comme les noyaux de Goro. Lait comme la nouvelle de la mort que j'ai vécue hier. Imbécile. Un peu lent. Ce sont les laids hommes qui font les laids commentaires. Regarde-moi ça. Les gens, regardez la qualité d'homme. Regardez la qualité de poubelle. Regardez les lèvres. Regardez, hein. On dirait une blessure inguérissable. Regardez les lèvres. Hein. Regardez ici. Une blessure inguérissable. C'est la qualité d'homme, si te bouffe la chatte, hein. Il faut éviter, tu peux être contaminé par une maladie grave. Regardez. Ah.
Je vous ai toujours dit non, que ce sont les laids hommes, les laids personnes qui font les laids commentaires. Regardez. Il a fait quoi? Il a mis les nattes. Regardez. 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 Regardez les narines. On dirait l'aspirateur de Marine Le Pen. Regardez les yeux. Hein? Papy, il ne faut pas rire. Un chien comme ça. Hein? Le voilà ici. Regardez le monstre marin. Regardez comme il est gros. On dirait le gonflé des années 60. Regardez, hein. Regardez. C'est lui qui vient parler, les hommes qui couchent avec moi. Regardez-le, mes gens. Regardez. Regardez. Regardez le nez. Hein. Regardez la grosse blessure ici. Regardez. Hein. Regardez les dents. Regardez. Papi, faut pas rire. Papi, rire. Hein. Asamba. Regardez. Hey, mes gens. Hein. Regardez le monstre. Regardez. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait les manières. Asambouama. Qu'est-ce que les beautés? Et beauté, qu'est-ce que les tignées? Asambouama. Il fait les manières. Hein. Attendez. Hein. Asambouama. Il a mis quoi ici? Il avait les locks. Maman. On dit sous un. Il a attrapé quelle maladie? La syphilis des lèvres. Regardez. Regardez. Regardez-moi ça. Et le bimenu est lent. Ah, je suis. Papi qui t'appelle. Va prendre le tacos, non, c'est comment? Oh. Moi, je n'aime pas ça. C'est en bas. Je vous ai déjà dit que ce sont les vilaines personnes qui font les vilains commentaires. Ce sont les vilaines personnes qui font les vilains commentaires. Ouh. Faut que je change les mèches, la chaleur. Attendez, je change la perruque. Je vais changer la perruque là. Papi, va prendre le tacos, je vais manger. C'est fermé. Allez-y. Tu as regardé. Ça ferme tout alors. Ok. Moi, je me prépare. J'ai toujours mes mèches ici, hein. Pour faire le direct, je pose toujours des mèches à côté, ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai la toux. Non, que tu exagères. Tu exagères.
Comment tu peux envoyer les gens? On appelle la famille de Ange au Cameroun pour dire qu'elle dissimule. Elle simule qu'elle est malade parce qu'elle veut que tu reviennes. Mais je veux te dire, où Ange regrette de t'avoir connu. Ce n'est pas ce que moi j'avais dit dans à TikTok que je regrette de t'avoir bien piné. Mais Ange regrette de t'avoir connu. Que des Joachim Jijeka, je te dis la vérité. Et c'est moi qui lui dis tous les jours que ne dis pas des mots méchants sur lui, c'est le père de tes enfants. C'est moi qui lui dis ça. Ange te déteste comme tu n'as pas idée. Je m'en vais donc te dire la vérité. Elle te déteste comme tu n'as pas idée. C'est moi qui calme son cœur. Je dis que non, c'est le père de tes enfants. Ça ne mérite pas d'avoir lieu. Même si tu as fait quoi. Moi, je plaide ta cause. Si je te dis la vérité aujourd'hui, je plaide ta cause. Parce que je lui dis, avec mon expérience, je dis, si tu maudis le père de tes enfants, ça peut marcher sur lui. Alors, évite de dire les méchancetés sur le père de tes enfants. Tu as deux enfants avec Ange Divine. La première, elle est dans la tombe et la tombe, on te réclame d'aller faire la pierre tombale. Arrête de monter et descendre dans les fêtes inutiles de Paris et de la province. Arrête, prends l'argent là, va avancer. Tu donnes, on fait la pierre tombale, ça fait 3 ans que l'enfant est mort. Est-ce que c'est normal? Comme tu nies que celle-là, ce n'est pas toi, tu nies aussi pour qui? Qui te ressemblait la photocopie? Mais gars, je veux te dire quelque chose, tu as quand même un sang fort, hein, parce que la qualité que tes filles te ressemblent, eh, vraiment, si tu savais comment ta fille te ressemble, hein, comment Alicia, je te donne donc le prénom, elle s'appelle Alicia. Alicia Kédé. Elle s'appelle Alicia Kédé. Joachimis. Oui, Joachimis. Elle te ressemble, Joachimis Alicia Kédé. Comme tu demandes l'ADN. Quand toi-même tu verras l'enfant là, que tu te voilà, on te dit que voilà les enfants qui jouent, choisis ton enfant, tu vas t'éclater de pleurs, pas de rire. Comment on dit quand on s'éclate de pleurs, vieux? Hein? Tu vas t'ensangler de. On dit quoi? Vieux père. Tu seras en sanglots. Vieux père répond en sanglots. Vieux père répond en sanglots. J'avais dit à vieux père que quand je suis en direct, il parle comme le chat. Lui, il murmure comme le chat. J'ai cuisiné le vieux père dans la sauce. Là où il est là, il ne voit pas du bien. Je l'ai cuisiné dans la sauce gombo de ma tête. Il est dedans comme ça. Même si tu viens, tu veux manger la sauce. Quand tu veux puiser, là, il y a sa chair. Ça saute. J'ai cuisiné le vieux père. Tu ne vois pas encore. C'est qui m'appelle? C'est toi. C'est toi. J'espère que c'est toi que tes plans. Si c'est toi qui m'appelle, je décroche. Oh, ce n'est pas toi qui m'appelle. Que des Joachim, les gens ont appelé au Cameroun en privé et ont cité ton nom. Voilà, ça vient du Cameroun. Les gens ont appelé au Cameroun et ont cité ton nom. Tout à l'heure, quand je parlais avec Séraphine, Nana, c'est là que ça s'est passé. Quand je disais, ah, donc c'est toi qui avais donné le mauvais garçon à Kédé. Je l'ai dit et j'assume.
Donc, automatiquement, vous aviez appelé au Cameroun pour dire que Ange manque les malades. Que dit Ange, tu regrettes de t'avoir connu? Moi, je te dis, je le répète, je jure, elle n'est pas là, elle est à l'hôpital. Ange regrette de t'avoir connu. Ange divine, Amougouze regrette de t'avoir connu. Tu connais même les enfants, tu connais les pères des enfants de Ange divine. Je respecte les tierces personnes. Si je te sors un seul nom, tu vas demeurer la bouche ouverte jusqu'à la terre va finir que... Donc la fille que je méprise là. Il m'a bien dit. Ange n'a pas fait l'enfant avec n'importe qui. Tu comprends quoi? Tu comprends quoi? Les pères des enfants de Ange divine, ce sont des messieurs respectables, les hommes d'affaires, les hommes du gouvernement. Le gouvernement camerounais, pas les petits hommes genre sous-officiers ou officiers ou adjudants ou commandants. Écoute-moi, je parle français là. Ce n'est pas le genre que officier ou bien commandant ou agent, adjudant. Tu comprends quoi? C'est la qualité de personne que un seul appel, ça résout tout le problème. Je parle français. Je parle français là. Un seul appel, ça résout tout le problème. Ce n'est pas un commandant qui cherche à joindre un colonel. C'est que, allô, monsieur le président, allô, monsieur le président de la République, c'est monsieur. Allô, madame Chantal Biya, c'est monsieur. Vous, donc, tu fermes ta gueule. Que des Joachim. Moi, je parle pas beaucoup. Je parle avec respect. Je ne suis pas le genre que dans zéro, dans rien et pour rien. Moi-même, je te donne mon identité. Je suis la fille de Martin Barganglé, le délégué à la sûreté nationale. Valérie Amougoulandolé, fille de mes têtes. Je parle pas français, ni allemand, ni espagnol. Je me débrouille à parler français. Tu as compris? Donc, un peu de retenue, apprends à respecter les gens. Arrête de saboter Ange gratuitement. Papi, viens me masser les pieds, s'il te plaît. Viens t'asseoir ici, s'il te plaît. Prouve-le que tu m'aimes, papy. Oh, viens, personne ne va te voir. Essaie-moi d'abord un verre ici. Oui, c'est moi. Papy, je veux chanter une chanson pour toi. Papi, personne ne te voit. Papi, je ne peux pas te faire ça. Tu sais que les bordels et les bandits de Facebook, s'ils prennent ta photo, on est cuite. Je peux pas. Tu peux faire tes allers-retours, on ne va pas te voir. Désolée, mange ça, papi. Il y a le lait aussi. Je te fais la tasse de lait. Ça, ça a réchauffé au four. Sinon, il y a du pain là-bas. Papi, même, il dit souvent que tu m'as envoûté. J'ai dit, bah, bien sûr. Tu crois que tu es là normalement. Je t'ai envoûté. Après, il fait souvent... Désenvoûte-moi.
Papy pleure souvent. Descends-vous de moi. Vous savez que je n'ai pas tous mes sens. Il me dit que je lui dis que j'étais envoûtée. Oui, tu m'as envoûtée. Parfois, papy pleure. J'ai dit, tu pleures quoi? Je pleure parce que je t'aime. J'ai dit, et on pleure quand on aime. Chez nous, on pleure quand on souffre en amour. Mais assieds-toi. Bon appétit, chérie. Je t'aime. Je t'aime comme un fou, comme un soldat. Je t'aime. Papi, bien, je t'aime. Écoutez alors les chansons de papi. Je sais, en amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. J'ignorais qu'on pouvait souffrir. Je t'aime, en amour, il faut... Voilà alors les chansons de papi. Alors les chansons. Papi de papi. Papi, mais tu arrêtes maintenant les jeux, tu manges. Tu n'as pas mangé depuis. Hein? Non, j'ai fini d'envoyer mon message au connard, monsieur, là, qui dérange ma soeur. Tu vois? Hein? Papi fait comme ça. Aïe. Papi fait comme ça. Merci pour mon sirop, hein, chérie. Merci. Tu es un amour. Il allait m'acheter le sirop. Merci pour mon sirop, chérie. Bonsoir. Lui, Charles, il y a ma soeur qui t'a demandé. Elle est gravement malade. Ange Digine t'a demandé. Lui, Charles, souhaite-lui bon rétablissement. Elle t'a demandé. L'autre jour même, quand je parlais avec elle au téléphone, c'est là que je t'ai laissé le message parce qu'elle disait qu'elle ne te voit pas, elle n'a pas de tes nouvelles. Bonsoir Valérie, je t'ai écrit sur WhatsApp. Je ne sais pas si tu as vu. Je n'ai pas vu, imbécile. Tu étais où, connard? Tu étais où? Hein? Tu étais où, Richard? Tu étais où? Attends, je cache comme tu es déjà arrivé. Je cache les choses. Tu étais où, connard? Richard, imbécile. J'étais cherché jusqu'à je m'inquiétais. Après, tu me dis que tu déprimes. Tu déprimes quoi? Tu es un blanc pour déprimer. Tu es né ici, oui, on ne refuse pas. Mais tu es né du sperme camerounais. Depuis quand les Camerounais dépriment? Écris-moi encore ce genre de message que tu déprimais. Je vais atterrir chez toi même dans l'obscurité. Je veux te faire la sorcellerie. Louis Charles. Mais Jean-Louis Charles m'écrit hier, je suis en dépression. Mouf, écris-moi encore ça. Quand tu veux déprimer Louis Charles et que tu vas mal, tu appelles une petite chez toi. Tu écartes ses fesses, tu lui bindas bien. Tu défonces sa chatte et tu oublies les problèmes. Tu fais... Tu fais comme papy. Papy, quand papy est fâché, fait... Il me pénètre le pénis dans la chatte comme le vélo. Papy, on t'appelle... Richard, le Congosa dit quoi? Richard, j'ai trop de Congosa. Je te dis, tu m'as manqué. Richard, j'ai le Congosa. Quand tu es prêt, tu me dis, on fait le Congosa. Mais tu m'as manqué. Richard, tu m'as manqué. Richard, tu m'as vraiment manqué.
Richard, tu m'as manqué. Il y a beaucoup de Congo, ça jusqu'à je suis prêt. Aka, tu étais où? Tu déprimais quoi? Je t'ai dit le secret de la dépression. Quand tu es déprimant, tu appelles une gars. Parmi tes multiples gars. Tu appelles une. Comme je te connais, tu es romantique là. Tu achètes une bonne boisson. Tu lui proposes même la pizza. Ou bien vous mangez le wings ou les tacos. Tu viens là, tu arranges bien le lit. Papier a fini. Bon appétit. Tu arranges bien le lit. Tu me défoules. Tu te défoules sur elle. La dépression là va partir. Tu me bindes à la bêtise. Tu écartes ses fesses sans pitié. Tu mets ton pénis. Tu bindes. Tu viendras me dire que Valérie, ah, le conseil là est bien. Wambarze. Wambarze. Wambarze ben zigla na toi la sis zigli. Wambarze. Wambarze ben. Papi. Zigla na toi la sis zigli. Dadadi. Wambarze ben. Wambarze. Zigla na toi la sis zigli. Papi. Oh, attends, papi. On te la venga toi la ya. Oh, venga toi la. On te l'a venga tola ya, ouais venga tola. Papi tourne comme je t'ai appris. On te l'a venga tola ya, ouais venga tola. On te l'a venga tola ya, ouais venga tola. Ouais, papi, s'il est trop adorable. La dépression est à cause d'une femme même. Aïe, Richard, tu me déçois. Une femme te fait déprimer. Non. Quoi? Lui, Charles, donc on est zemmour en amour. Oh. Donc on est zemmour en amour. Il faut pas déprimer. Dis-toi que quand tu te mets avec quelqu'un et que la relation ne marche pas, ou la personne prouve qu'il ne t'aime pas. Papi, s'il te plaît, ferme la porte ici, s'il te plaît. Merci, mon cœur. Ce soir, tu vas bien bouffer la chatte, papy. Après, je prends mon bain. Tu vas bouffer, tu ne dors pas. Tu restes là. Même si tu dois, elle va te réveiller. Bonne nuit. Ok, tu ne dors pas. Il ne faut pas déprimer, lui, Charles. J'avais fondé beaucoup d'espoir en elle. Oh! Tu avais fondé beaucoup d'espoir. Est-ce que c'était une relation que vous aviez, Mbinda? Il y avait du suivi. Tu voulais être avec elle. Tu étais sérieux. Ouais, et on a blessé lui, Charles. Anna, je vais te chanter quelque chose pour te bercer. Ouais, 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 je sais. En amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. J'ignorais que lui, Charles, souffrait. Wow, 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 je sais. En amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Eh, lui, Charles, Assia, je ne savais pas que tu souffrais en amour. Et c'était comment la douleur? Ça faisait mal. Je ne sais pas comment vous qui souffrez en amour, comment vous sentez. Tu as mal, ça t'empêche de dormir, ça te fait comment en fait? Quand tu as les problèmes sentimentaux, tu te sens comment? Tu as mal, tu as les chagrins, tu n'arrives pas à dormir, ça se passe comment? Tu penses à la personne, l'image de la personne est devant toi, ça se passe comment? Je n'ai jamais souffert en amour, Valérie. Et pourquoi tu déprimais? Et pourquoi tu déprimais? Tu déprimais pourquoi? Tu n'as jamais souffert en amour, mais tu déprimais pourquoi? Moi-même, moi, je ne souffre pas en amour. Hein.
Le connard finit de même binda le matin, il me dit à midi que c'est fini. Je lui dis que ok, c'est fini. Bonne chance. Il y a quoi? Mais Jean, je vais me coucher. Je vais laisser ce message en ligne. Et bipé, JJK, dis-lui que c'est moi qui dis. Non, je te pose la question si tu n'as jamais souffert. Non, je ne connais pas la souffrance là. Parce que tu sais, je me dis mieux être, mieux aimer ou aimer sa sœur que d'aimer un homme. Parce que quand tu aimes un homme, tu n'es pas sûr qu'il t'aime. Donc, je ne considère pas que quand un homme me dit je t'aime. Parfois, c'est un je t'aime qui peut être faux. Tu vois, non? Moi, je ne souffre pas en amour. La seule fois que j'ai souffert en amour, c'est quand un gars m'a envoûté. Un gars m'avait envoûté. Et ça m'avait pris. Et ses soeurs sont venues tout me dire. Bon, je vais me coucher, mes gens. Je n'ai pas bien dormi hier. J'ai déjà sommeil. Là, je vais me coucher. Surtout, papy est déjà au lit. Mon papy est déjà au lit. Donc, je vais me coucher. Aïe. On attend les nouvelles demain et je reviendrai. Et Guy Watson, alors, jamais. Je n'ai jamais souffert pour lui. Jamais. Non, jamais de la vie, Guy. Lui, Charles, les gens me connaissent mal. Ce qui s'est passé entre lui, c'était un autre problème d'une autre dimension. Ce n'était pas les sentiments ou parce que je l'aimais trop ou parce que je souffrais. Non, je suis désolée. Hein? Je suis sincèrement désolée. Après, les gens interprètent comme ils veulent. Tu sais comment ça se passe sur des réseaux sociaux. Les gens interprètent mal les choses. Je n'ai jamais souffert pour lui. Après, c'est un gars bien. Hein? Et d'ailleurs, ce qu'on a fait la semaine passée, c'était le buzz. Ce n'était pas parce que je sors avec lui ou je me suis remis avec lui. Moi, je lui ai dit, je te propose qu'on fasse un buzz. Il a accepté. Il n'est plus mon style. Hein? Il a pris un coup, un gros ventre. Non, non, il n'est plus mon style du tout, hein. Ah non, 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 non. Il a pris un coup de vieillesse. Non, 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 il n'est plus mon style, hein. Tu me donnes quel conseil, alors, en amour? En amour, dans la vie, c'est question de chance, en fait. C'est question de chance. L'amour, c'est la chance. Je prie que tu tombes sur une bonne personne qui va t'aimer à ta juste valeur, qui va te respecter et qui va reconnaître que tu es un homme. Parce que l'essentiel, c'est pas d'être avec une femme. Tout le monde peut être avec une femme. Après, tu es avec quelle femme? Est-ce que tu es avec une femme qui a de la valeur? Comme tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui fait du mal à ma sœur. Cet homme, à nos yeux, à mes yeux, il n'a pas de la valeur. Parce qu'il sous-estime ma soeur, il méprise ma soeur, il manque le respect à ma soeur, il nous insulte. Pour moi, ce n'est pas un homme qui a de la valeur. Une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui te respecte, qui respecte ta famille, qui respecte tes amis, qui te comprend, qui te conseille et qui te considère. Donc, je prie Dieu que tu tombes sur une bonne femme. Une femme qui respectera ta famille, tes valeurs, ton travail et qui t'aimera. L'amour, c'est quelque chose qui ne se vit pas à la condition. L'amour, vous voyez, avec le papy, il est comme ça, il est serviable. Tout ce que je lui dis que fait, il ne discute pas. C'est ça l'amour, en fait.
L'amour, ça ne se discute pas. Ça n'a pas de condition. Si tu vis déjà une relation qui a la condition, oui, si tu veux qu'on se remette ensemble, achète-moi un iPhone. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Si tu veux qu'on se remette ensemble, achète-moi des habits ou donne-moi l'argent de poche. Ce n'est pas de l'amour. Attention. L'amour ne se conditionne pas. En amour, il n'y a pas de condition. Moi, si je tombe sur la petite sœur de Berdella ou de Marie Le Pen, tu pines. Si tu tombes sur la sœur de Berdella, tu pines. Berdella, je pine. Marie Le Pen, je pine. Piné, piné. Tu pines. Piné, piné. Berdella, je pine. Je pine, pine. Tu pines la sœur de Berdella. Tu es parenté à Berdella. Tu pines sa sœur. Tu tombes sur la sœur de Madame Le Pen. Tu pines. Tu deviens piné, piné. Ou beau foie, bon. A qui a quoi, ma petit? Même s'il y a les voisins qui entendent, tu pines. Même s'il y a les gémissements, tu t'en fous. Tu vas me renvoyer au Cameroun. Tu vis sur quel monde? Tu n'as pas entendu que c'est le Fonds national qui a gagné. Tu n'as pas entendu le parti de Mélenchon. Mélenchon. C'est le parti de Mélenchon. Allez, les dernières questions. Lui, Charles, je veux te faire le Congo ça sur Katino et moi. Lui, Charles. Tu vas faire une vidéo spéciale Katino et Valérie. Et je vais te sortir les voix que Katino m'a laissées. Ça fait froid au dos. Lui, Charles, c'est gâté entre Katino et moi. Jusqu'à Katino a dit les méchancetés sur moi, la sorcellerie. La sorcellerie, elle a dit que j'avais les serpents au ventre. Lui, Charles, je veux te faire le Congo, ça, de Katino. Et je veux te dire, la vérité, non. Je veux faire la vidéo, je veux te dire ce qui s'est passé. Elle m'accuse à tort sur quelque chose que je ne connais pas. Elle dit que c'est moi. Je veux tout te raconter. Elle dit que c'est moi. Dieu au ciel. Je ne peux même pas pleurer pour ça. Elle te dit. Mais je porte plainte à Dieu. Devant Dieu. J'ai rédigé la plainte là. Katino, j'étais portée plainte devant Dieu. Pour les accusations. Les fausses accusations. Tu m'accuses. C'est Dieu qui va te juger. La femme du peuple. Toi que j'ai tant aimé. Toi que j'ai considéré comme ma mère, je t'appelais Maman Katino par respect, par amour. Mais les énormités que j'ai entendues venant de toi, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, c'est vrai, c'est sûr. L'homme est mauvais. Tu lui donnes à manger, c'est lui qui vient revoir ta fille. L'homme est mauvais. Si tu ne risques rien de rien, mon bébé vient mon défaut. Plus jamais ça. Et les lois de la baba, ça ce sont les lois de la vie. Et jamais ça. Et n'aimait de gamba.
Mélenchon, c'est ton type d'homme. Parce qu'il aime les émigrés, oui, c'est mon type d'homme, comme il aime les émigrés. Comme Mélenchon aime les émigrés, c'est mon style. Voilà. Mais s'il n'aimait pas les émigrés, il n'allait pas être mon style. J'allais trouver une astuce. Mélenchon, c'est mon style d'homme. Quelqu'un d'autre a une question. J'espère que vous aviez déjà envoyé la nouvelle à Joachim. Lui, Charles, tu veux faire le montage de la vidéo, si. Tu veux faire le montage. Réponds, imbécile. Tu veux faire le montage. Réponds. Chien de mon cabinet. Tu veux faire le montage. Et tu veux dire quoi dans ton montage? Hein? Aïe, la toux l'a recommencé. Tu veux dire quoi dans le montage? Je vais aller prendre un bain. Oh, je vais laver ma chatte. Bon, mes gens, je suis fatiguée. Je vais me coucher. Je n'ai pas dormi hier. Aïe. Richard, tu enregistres la vidéo. S'il te plaît, enregistre. Tu as enregistré. Enregistre la vidéo. Ah, oh, il va aller pour coucher. Enregistre la vidéo. Dernière question, tu penses quoi des élections en France? On a assisté à beaucoup de racisme. Le racisme existe partout, même en Afrique. Donc, il y a le racisme, même au paradis. Le racisme existe. Le racisme existe partout. De toute façon, depuis que moi je suis en France, la seule fois que j'ai assisté au racisme, c'est quand je cherche du boulot. Vous voyez, quand je cherche du boulot sur mes papiers, c'est écrit Schneider. Et quand je cherche du boulot, c'est écrit Schneider. Après, quand on m'appelle ou on m'envoie un rendez-vous, après on découvre que je suis noire. J'ai quand même vécu ce genre de racisme, mais en France, comme ça, j'ai jamais vécu du racisme pur. Non, non, non. Jamais, pour dire vrai, depuis plus de 20 ans, je suis en France, j'ai jamais vécu du racisme pur. Qu'on me dit que tu es noire. Non, non, non. À part peut-être que des sales cons blancs que parfois quand je finis de les escroquer, je le balance. Après, il me dit que tu rentres dans ton pays quand et tout. Après, je l'insulte bien. Mais bon, pour dire vrai, j'ai jamais vraiment vécu du racisme pur. Non, jamais. Je ne peux pas dire ce que... Je peux pas dire ce qui n'est pas vrai. Moi, j'ai jamais vécu du racisme pur, non. Après, bon, j'étais mariée, mon deuxième mari, Monsieur Chalet, sa mère était raciste, mais je m'en foutais d'elle. Quand elle a dit, Monsieur Chalet, elle m'a dit, ma mère n'aime pas les blancs. J'ai dit, va dire à ta mère que les blancs n'aiment pas aussi sa sale race. Et ça s'est arrêté là. Jusqu'à ce que la putain, là, elle est décédée, je ne suis même pas là à son enterrement. Ah oui? Quand quelqu'un n'aime pas ma race, je viens faire quoi à ton enterrement?
J'ai dit à son fils, je ne viens pas à l'enterrement de ta mère, n'aime pas ma race. Monsieur Connard Chalet. Et j'ai dissimulé, je vous dis alors, mes échos, je vous donne mes échos, et j'ai dissimulé un bouquet de fleurs. C'était écrit Madame Connard Chalet. Je vous dis la vérité, je ne suis plus avec son fils, je m'en fous. C'était écrit Madame Connard Chalet, que ton âme brûle en enfer pour toujours. C'était écrit Madame Connard Chalet. Hein? Attendez, papy veut quoi? Attendez, papy me parle. Et ceux qui vivent ça, tu peux leur dire quoi? Moi, je n'ai jamais vécu, je ne sais pas. Je leur dis bon courage. Je veux leur dire quoi? S'ils vivent du racisme qui se manifeste aussi, ils sont dans leur... Ils sont, la France, c'est un pays de loi. Quelqu'un qui te dit que tu es noir, tu lui dis aussi des choses qui lui blessent. Il y a quoi? C'est comme ça. Tu me dis, un arabe qui me dit sale noir, je dis sale beurre. Un français qui me dit sale noir, je dis sale blanc. On est quitte. On est quitte, non? Tu me dis sale noir, je dis sale blanc. On est quitte. C'est pas méchant. Nous sommes tous des humains, on va mourir, que tu sois blanc, noir, rose, jaune, violette. On va tous mourir un jour, on va périr. On a tous les mêmes, on a tous les mêmes hormones. On gémit, on pleure, on rigole, on danse. Il y a que la couleur de peau qui change. Et après, il n'y a plus rien. Lui, je n'ai pas de caleçon. J'ai pas de caleçon, je transpire même, je vais me laver. Richard, j'ai pas mis de caleçon. J'ai pas mis de caleçon. J'ai pas mis de caleçon, Richard. Oh. Bon, je vais me coucher. Tu as enregistré la vidéo? J'ai pas mis de caleçon. Ma chatte chauffe. Oh, j'ai pas mis de caleçon. Je veux prendre la température. Ça chauffe. Ça chauffe. Oh, ça sent bon. Oh. Attends. Température comme chez le médecin. Oh. D'accord, je laisse à 50. Vu ma tenue. Allez.